de bailli dans tes origines. C'est qui, c'est quoi les baillis? Le bailli, c'est le hameau où on est situé. Donc toutes les poulinières qui nous appartiennent, qu'on a en association, comme avec Monsieur Lac. Voilà, comme les chevaux sont nés ici, ils sont appelés de bailli. D'accord. Ton père était entraîneur, ton grand-père marchand d'animaux, de ce que tu nous as dit. Oui. Tu as gardé un petit peu ce côté paysan, il t'apporte quoi? Il apporte quoi? Déjà, me changer l'esprit. On va dire, si ça va mal, je monte dans mon tracteur, ça me change l'esprit. Non, et puis voilà, j'aime bien monter dans le tracteur. Je veux dire, voilà, on a un petit peu de surface, ça change. Après, j'ai un avantage, c'est que pour faire ma paille, ça me permet de faire de la paille de meilleure qualité. Je vais presser à l'heure que je veux. J'arrive à la rentrée de bonnes conditions et pour le foin, c'est pareil. Et puis, on s'était mis à faire ça aussi à des moments durs. C'est que ça permettait de faire de l'économie. Je vais faire mon foin, je ne sais pas, jamais fait le prix, mais si ça me coûte 30 euros la tonne, en comptant les frais de gasoil, les heures que j'ai passées, et vous allez l'acheter, ça coûte 150 euros la tonne. Voilà, c'est une genre d'économie. Donc, on a la surface, on a tout pour le faire. Donc, je pense que c'est un petit plus. Est-ce que tu arrives à trouver le temps justement de faire ça? Parce qu'une écurie à gérer avec pas mal d'éléments, c'est... Oh bah ouais, les journées sont assez longues. Non mais pour ça, j'ai le père qui est toujours là. Je veux dire, la semaine dernière, comme on disait tout à l'heure, on a 18 hectares en propriété qui sont à 30 km de chez nous. J'ai semé du blé dedans et... Bon, je suis parti le matin à 6h30, je suis rentré à 8h, c'est le père qui a fait les chevaux. C'est l'avantage de travailler aussi en famille. Justement, la famille, ta femme s'occupe, elle, de la partie élevage. Et compta. Je l'avais connue à Divonne-les-Bains. Après, elle avait travaillé un an chez Jean-Pierre Dubois. Au ras de la brosse, et puis après elle était rentrée pendant 9 ans, je crois, à l'école de la FASEC. Et puis à la naissance de notre deuxième enfant, on a trouvé que c'était mieux si elle restait à travailler à la maison. Donc 16 poulinières à s'occuper, c'est du travail. Faut les soigner tous les jours, en pleine saison de monte, faire les poulinages, faire les suivis, les emmener à la saillie. Voilà, maintenant c'est un peu elle qui gère tout ça. T'as ton mot à dire quand même, rassure-nous là-dedans. Les croisements, vous faites ça en famille? Je paye le café au veto, moi. Non, les croisements, c'est encore moi et le père qui les ont. On choisit les étalons ensemble, on essaye après d'attribuer par rapport à la sélection d'étalons qu'on a fait, de mettre le mieux à nos juments, quoi. Après, les juments à Michel Agostini, c'est lui qui le fait, il me dit tu vas là ou tu vas là, quoi. Mais nos juments à nous, oui, les baillis, c'est le père et moi qui ont le croisement. Nana à gauche, elle est suitée d'un petit mâle Royal Dream. Ah, il y a du papier alors. Oui, dans ce prêt-là, il y a du petit monde. La petite sœur a vagabondu aussi, et s'y perd là, donc. On parle de tes propriétaires, justement, t'en as assez peu. Ça s'explique comment? J'en ai pas beaucoup. J'ai Monsieur Lac, qui est là depuis 30 ou 35 ans, je crois bien. Il y a Michel Agostini, qu'on a les chevaux en association. Et puis, j'ai un petit client d'eux comme Sébastien Chevron ou Monsieur Brochon, voilà. On m'a jamais demandé de prendre d'autres chevaux en entraînement, et puis j'ai un copain ou deux qu'on débout, quoi. Je veux dire, dans des chevaux, qu'on 10%, 20%, mais voilà, j'ai jamais couru après, on m'a jamais demandé. Mais à ton avis, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est ton franc-parler qui peut de temps en temps te porter préjudice?
Ouais, peut-être, je sais pas, c'est quelque chose que j'ai jamais réfléchi. Il y en a, ça va leur plaire, il y en a, ça va pas leur plaire, hein. Comme beaucoup de choses. Après, moi, je suis comme ça, je reste comme ça. J'essaye de faire mon travail du mieux que je peux, de faire tourner mon entreprise pour éviter d'avoir le moins de soucis possible. Voilà, moi, je vois la chose comme ça. Tiens, je pense à vous. Ouais. Ah non. Non, non, bon, non, non. Bon, de toute manière, même si je vous achète quelque chose, je vais prendre celui de tissu. Alors, pour avoir le moins de soucis possible, tu t'associes souvent, enfin, t'associes souvent tes chevaux à Jean-Michel Bazir. Est-ce que. Quelles sont les raisons qui te poussent, quelles sont les raisons qui te poussent à travailler avec lui? Est-ce que c'était tout simplement parce que c'est le numéro 1? C'est le numéro un, et puis je pense qu'on est amis depuis longtemps. Pas au point de Jean-Michel Baudouin avec lui ou quoi que ce soit, quoi. Mais ça fait très longtemps qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble. Quand j'ai eu des bas ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui, même si je lui devais de l'argent, qui m'a jamais réclamé, qui a toujours su être patient de ce côté-là, et je lui en remercie. Mais après, voilà, c'est. Ouais, c'est le numéro un. Je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Tu peux nous raconter justement quand tu as une première chance à lui faire driver, tu le réserves longtemps à l'avance parce que c'est quelqu'un qui, je suppose, a un carnet de balles bien rempli. Oh bah bien sûr, c'est quelqu'un qui est très difficile à avoir. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez prévoyant dans. J'essaye de voir assez loin dans l'engagement de mes chevaux. Alors j'arrive à le faire parce qu'on a un petit effectif. Mais je pense, après, il y en a qui y arrivent bien avec un gros effectif. Mais bon, après, lui, quand un cheval comme Vagabondu, l'année dernière, j'avais fait le programme, comme c'était lui qui le menait, j'ai dit, voilà, on a deux belles courses à courir. Ne prends pas de montre. Même les siens, comme vos vicomtes ou quoi que ce soit, qui avaient à peu près les mêmes gains que lui. J'ai dit, essaye de mener le cheval, comme lui, il est oncle, qu'on n'a pas le droit au groupe. Et voilà, de ce côté-là, il ne m'a pas laissé en plan. Il a tenu ses engagements jusqu'au bout, il a amené le cheval. Après, c'est. Voilà, après, si vraiment son cheval, il est à 100% ou quoi que ce soit, il est obligé de privilégier les chevaux à son entraînement. Bon, là, il va avoir un dilemme avec Superlamag et Crazy Girl. Mais j'ai déjà lancé à Baudouin, après je sais pas quel choix il va faire. Bon, j'ai toujours. Après, il y a d'autres grands drivers. Je veux dire, Franck, il m'emmène aussi pas mal. On a un bon taux de réussite avec Franck. Bon, puis il y en a plein d'autres, hein, des Eric, des David. Je veux dire, tout ça, c'est des grands drivers, c'est des jeunes et qui ont un grand avenir aussi. Mais comme je viens de dire, moi, à cause de mon poids. Pour l'instant, j'ai mis un peu une croix sur la compétition, mais il y a un certain stress, mais j'aime bien dans les tribunes. Bébé, quand tu entraînes un mâle ou une femelle, est-ce que ça t'y porte une attention particulière ou tu les entraînes exactement de la même façon? Non, il n'y a pas de différence. Mâle ou femelle, j'entraîne exactement pareil. Il y a pas. Il y a des fois, bon. Vous prenez la frère et sœur Vagabondu aussi par là, ils ont exactement le même comportement. Donc je fais pas du tout de différence entre les deux. On prend pas plus de précautions avec une femelle, on la brutalise moins, non? Pareil. Moi, Non, bah c'est surtout, on va dire, peut-être plus au débourrage. Je sais qu'il faut faire attention qu'elle ne devienne pas entre guillemets pisseuse, quoi. Voilà, c'est là où c'est qu'il faut faire attention avec une femelle, je pense personnellement. Après, non, je fais pas de différence, je veux dire, ils travaillent pareil. On essaye tout le temps un petit peu d'alterner les travaux, de jamais faire pareil, pour les changer, quoi. Mais bon, du bout d'un moment, ça devient un rituel quand même. Alors, il y a également pas mal de ton effectif que tu orientes vers le trot monté. Est-ce que c'est plus facile de gagner de l'argent dans cette spécialité? Alors, trop monter, c'est toujours un peu plus facile. On a bien vu Brutus. Athlée, on n'a pas réussi à gagner un groupe, on a couru le premier coup, on a gagné. Maintenant, comme je dis, il y a aussi un risque de les casser beaucoup plus rapidement. Donc, après, il faut le cheval qui ait les aptitudes. Hein.
Là, depuis un an, on va dire, on était quand même un peu plus axé sur le trot attelé, depuis un an ou deux. Même Vagabondu, l'année dernière, il a quasiment pas couru aux trois montées. On a couru un coup ou deux cet hiver, c'est tout, quoi. Bon, lui, avec les gains qu'il a engrangés, il a des tâches qui sont pas faciles. Donc, faut laisser un peu s'user les autres, et puis on arrivera après. On va le faire vieillir. Qu'est-ce qui t'énerve le plus aux courses? Aux courses, la jalousie des autres. A contrario, qu'est-ce qui te plaît le plus aux courses? Bah, l'adrénaline d'aller aux courses, de gagner une épreuve, que ce soit de gagner un réclamé, un prix de série ou un groupe, vous avez toujours une satisfaction de quand on vient avec une victoire d'aller aux courses. Voilà, on y va pour gagner, même si on sait qu'on part avec la septième chance, au fond de nous, on part pour gagner. C'est peut-être un peu trop mon défaut. Justement, l'avant-course, quand tu regardes le pronostic dans le turf ou les pronostics sur Equidia ou d'autres supports, est-ce que tu y prêtes une attention ou pas du tout? Je regarde, mais j'aime pas quand je suis premier favori. Non, je préfère. Si s'il me donne cinquième, septième, je veux dire, j'apporte pas trop attention aux pronostics. Il n'y a plus Maurice Daddy qui fait les pronostics, donc les autres sont moins dangereux. Maurice ne se trompait pas beaucoup. Les autres, ils se trompent beaucoup. Voilà, non, après, moi, je vais aux courses, j'ai préparé mon cheval, on a essayé de faire notre mieux. On a mis Nivard, Bazir ou Mathieu sur le dos ou dans le sulky. Voilà, on fait pas. Moi, personnellement, je ne fais pas plus attention que ça. Je pose la question à tes confrères en général, mais l'avenir des courses, tu le vois et tu le sens comment? À l'avenir des courses, il faut rester prudent. On est sur presque une lame de rasoir. Les enjeux baissent tout le temps. Bon, même s'il y a eu une grosse augmentation pendant plusieurs années. Voilà, moi, l'avenir pour l'instant, on essaye de faire comme si ça allait bien, mais il faut rester prudent. Moi, je sais que si ça devient comme en Italie ou en Belgique, j'hésiterai pas à changer de métier. Carrément. Oui. Question assez difficile. Si demain je te donne une baguette magique, que ça te donne les pleins pouvoirs aux courses, quelle est ta première mesure pour améliorer ton quotidien? C'est une question piège. La première mesure, qui est plus de régularité, Par rapport à quoi? que ce soit au commissaire ou au dirigeant. Parce que là, pour le moment, tu penses que c'est quelque chose qui t'est préjudiciable ou qui est préjudiciable aux courses, qui sont préjudiciables aux courses? Non, les commissaires, vous pouvez regarder n'importe où. Je veux dire, il y a toujours des erreurs. Eux, ils font une erreur, nous, on a le droit de rien faire. On n'a aucun recours pour aller contre leurs erreurs. Mais vous, professionnels, vous faites une erreur, que ce soit de drive ou quoi que ce soit, parce que vous avez changé un peu de ligne. Tout de suite, on va vous mettre 2 jours, 4 jours, 8 jours, 15 jours de mise à pied. Mais eux, ils vont disqualifier un cheval qui n'a pas y être. On ne va pas leur sucrer leurs 500 euros qu'on va leur donner pour la journée qu'ils ont fait. On ne va pas les mettre à pied de 2 ou 3 réunions comme ils font à certains drivers parce qu'ils ont fait une erreur. Non, je trouve que là, il n'y a pas assez de régularité des choses. Et les dirigeants, je trouve qu'ils ne pensent pas assez aux entraîneurs qui sont en difficulté ou quoi que ce soit.